Comment ça va, hein? Le retour de Tiziane, hein? Bon, alors aujourd'hui, alors attendez, je me rappelle plus c'est quoi, c'est qui m'a envoyé du passage? Salut. Bon, alors aujourd'hui on revient avec une vidéo avec Tiziane. Donc Tiziane est là, ne t'avance pas trop. Je suis de plus en plus myope, hein. C'est bien. Maintenant je suis aveugle, hein. Je me vois plus dans le retour caméra. Ça, vous m'avez pas plus doué. Arrête de t'avancer, ça va être trouble. Là, je croyais que ça clignotait la batterie. Non, c'est... Vous allez voir à chaque fois qu'elle va vouloir se regarder, elle va faire ça. Alors, on est revenus toutes les deux parce qu'elle est là le week-end pour faire une vidéo. Ça sera qui pourrais-je. Allez, c'est parti. C'est horrible, tes orteils sont vernis. Tu dis seulement. Non. Bon. Mais si, t'avais du vernis que t'as pas enlevé depuis cet été. Il est encore là. Ma mère, quand elle met du vernis, elle enlève jamais. Il peut rester 10 ans, elle va mourir avec. C'est pas grave, bien sûr. Bref. Bon, on va jouer à qui pourrais-je. Donc, je vais poser des questions. Qui pourrais-je? Tu verras. Okay. Qui pourrais-je? Donc, je vais poser des questions et en fait, on doit répondre aux questions. Enfin, qui pourrait, pas qui pourrais-je. Ah, voilà. Qui pourrait, n'importe okay. Quoi. Qui pourrais-je, c'est que pour moi. Donc, première question. Qui pourrait être. Qui. J'ai pas mis du rouge à lèvres. Qui pourrait tuer quelqu'un par accident? Moi. Toi. En voiture. Toi, parce que franchement, déjà tu sais pas conduire et en plus t'es Pierre Richard. Et moi, si je le tue par accident, la personne, je fuis. Hein. Même par accident, je vais quand même en prison, donc autant fuir. Hein. Tu t'en vas dans notre pays? Ouais. Vous me retrouvez plus, hein. Je vais au fin fond de l'Indonésie là-bas. Bon, vous savez que si un jour Tiziane a disparu, vous savez pourquoi? Si elle a disparu des réseaux sociaux, vous saurez pourquoi? Ouais, moi je pense, toi non. Enfin, quoi? Ça peut arriver à tout le monde. Mais ouais, ça peut arriver à tout le monde en fait, ça. T'écrases quelqu'un sans faire exprès. Ou ouais. Même tu fais un accident de voiture, quoi. J'espère que la justice est clémentée dans ce cas-là. Non, je crois que tu vas quand même en prison. Oh là là. Il me semble là, c'est... Un truc comme ça, non, place. Non. En fait, tu vas quand même en prison, par exemple, si tu fais un accident et que tu es alcoolisé. Si toi, t'es alcoolisé, oui. C'est ta faute. Oui, ça c'est sûr. Après, heureusement, si c'est même pas par accident, ça c'est... Oui. Donc je sais pas, en fait. Je sais pas. Parce que t'imagines, ça peut arriver à n'importe qui. Ouais, ou alors tu... Je sais pas, comment tu pourrais tuer quelqu'un? Par exemple, je sais pas, tu dis à... Non, je sais pas. T'as un couteau dans la main et genre sans faire exprès, tu fais ah ouais là et tu écorches quelqu'un, tu fais ça pas arriver. Mais là, je suis sûre que les gens ils croient que c'est un. Ils croient. Je suis sûre que si tu dis que t'as pas fait exprès et tout, les gens ils pensent que c'est un homicide. Hein. Oui, ça dépend qui c'est. Ouais, si c'est possible. Surtout que imagine le voisin. Oui, hier soir ils se sont disputés, on les a entendus, tu sais. Ouais. Ça craint. Alors, qui pourrait ne jamais été avoir aussi. Qui pourrait ne jamais avoir été au ciné? Moi. Parce que moi, ça me dérange pas de jamais avoir été au ciné. Ah, au cinéma? Oui. Je réfléchissais au ciné, genre né de la naissance, tu vois. Ah. Pourquoi on serait pas né? Au cinéma, moi. Qui pourrait... Ouais, toi, tu t'en fous du cinéma. Toi, non. Toi, tu pourrais moi, pas ne jamais cinéma. Avoir été au cinéma. Ouais. Moi, je trouve ça cool d'aller voir un film au cinéma. Ma mère dit que c'est inutile. Qu'on peut regarder à la maison. Ouais, moi, je dis qu'on peut regarder à la maison parce que... Ouais, ça fait une sortie, mais je sais pas, je vois rester à la maison, manger dans mes placards, prendre mes gâteaux. Parce que le cinéma, c'est genre. Ouais, mais quand du cinéma, les gens commencent à faire un paquet de gâteaux. Chut. Ah là, c'est bon, on a le droit de manger, non? Surtout que moi, je vais au cinéma pour manger, si je vais au cinéma pour regarder le film. Hein. Ouais, mais c'est une autre ambiance qu'à la maison, tu peux regarder Enquête exclusive. Hein. Ouais. Mais tu fais une soirée ciné. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas. Qui pourrait devenir un acteur ou une actrice célèbre? Moi, toi. Parce que toi, tu te la pètes trop, toi. Même pas pour ça. Parce que moi, je m'en fous. Hein. On me propose demain, la vie 9h, j'arrive. Même si t'es en Thaïlande, j'arrive, hein, je prends l'avion. Si un producteur ou un scénariste ou un réalisateur passe par là, vous avez entendu, Tiziane aimerait passer. Même si je fais au cinéma. Je fais juste la passage dans la rue, hein. Moi, je passe dans la rue. Même s'il faut que je sois le public derrière la scène, je vais le micro-trottoir. Les gens sont payés, les gens qui figurent en arrière-plan? Pas du tout. Mais non, alors. C'est juste figuration. Oh, non, dans les plateaux télé, je pense pas. Après, figuration, oui, t'as une petite figuration dans les films, je crois. Ah oui, dans les films, oui, dans les films. Mais quoi, 75 balles la journée? C'est bien. Moi, j'y vais. C'est bien. C'est vrai que pour 75 balles, pour juste dire oui, bonjour,
merci, au revoir. Ouais, ou alors, ouais, ouais. Quand tu vois les gens qui triment pour 50 balles par jour. Ouais. J'adore. Ouais. Qui pourrait devenir stripteaseur? Moi. J'attendais. Moi, en plus, c'est super bien payé. Hein. Si j'ai pas d'avenir, je deviens stripteaseur. Hein. Ben quoi, c'est pas un métier. C'est bien payé. Mais c'est pas un métier. Un métier, qu'on appelle ça. Oui, c'est pas comme s'ils avaient dit. Non, c'est, je veux dire, c'est pas un métier qui est. C'est un métier. Oui, mais je veux dire, c'est pas un métier. Interdit ? Non, pas interdit, qui dévalorise. Voilà, c'est pas un métier de valorisant, hein. Stripteaseur. Ouais. Moi, c'est. T'es pas tenue, hein. Pas forcément stripteaseuse, mais tu sais, genre. Pole dance, pole dance, c'est tout. Bien, ça. Franchement, si j'étais maigre et bien foutue, je ferais du pole dance. Non, en plus, ça muscle vachement. En plus, c'est un peu comme le striptease, hein. Les stripteaseuses, c'est un peu. Non, c'est différent. Non, c'est de la danse artistique, le pole dance. Les stripteaseuses aussi, elles sont sur une barre. Non, mais elles ne sont pas sur une barre. Pas toutes. Ah, je vois. Moi je le fais, hein. Moi, si on me propose peu importe quoi, j'arrive. Métier, hein. Bien payé, quoi. Qui pourrait être le ou la plus susceptible? Bon, là, c'est toi. Ouais, c'est ça. Alors, Tissène, dès qu'elle fait un truc, elle pleure. Dès qu'il y a un truc qui va pas dans son sens, elle pleure. C'est pas vrai. Là, quand elle a fait les mèches, elle a pleuré. C'est pas vrai. Quand elle a coupé les cheveux, elle a pleuré. C'est pas vrai. Ouais, elle a pleuré quand elle coupe les cheveux. Quand tu fais un piercing qui s'infecte un peu, tu pleures. Quand tu te rates le mascara, tu pleures. Quand je trouve pas ma tinette, je pleure. Ouais, alors là, mon chargeur, il a disparu, je pleure. Tissène, elle pleure toutes les 5 minutes, je vous le dis. Tissène, elle pleure toutes les 5 minutes. En fait, je suis pas patiente. Par exemple, si j'ai perdu mon ordinateur, faut que je le trouve direct. Regarde, dès que je le cherche, je pleure. Ah, mais regarde, quand tu t'es trompée, quand t'as envoyé les habits vintage, je t'ai dit, c'est bon, c'est pas grave. C'est le fait que tout pleure. Temps, tout va. Oh là, je pleure, ça, c'est rien. Le truc qui m'énerve le plus, c'est qu'elle pleure toutes les 5 minutes. Oh, une gamine. Un bébé, la fille. Je m'énerve vite aussi, hein. Oh là, je m'énerve pour rien. Ah ouais, ça c'est vrai. Pour que toi, aies dans mon sens. Ah ouais. On en revient à la même question que tout à l'heure. Qui pourrait faire la star en direct à la radio ou à la télé? Toi. Moi. Bah bien sûr. Quoi que ce soit télé-réalité ou quoi, je fais. Tu es timide, mais après, tu dis ça, mais t'es timide quand même. En fait, je suis timide que quand je connais pas et que genre tout le monde se connaît sauf moi. C'est ça que j'aime pas. Et quand tu connais tout le monde? Quand je connais les gens, je m'en fous. Si je vais à la télé mais que j'ai déjà rencontré tout le monde, moi je m'en fous. Qu'est-ce que tu bouges, toi? Tu sens que ça va bien trouver. Non, t'as des verres au cul. J'ai des verres luisants, ouais. Ouais, moi j'aimerais bien faire. La fois, je sais plus avec qui j'en parlais. Il disait que ça doit être trop bien la vie quand tu es acteur ou. Bon, même la télé-réalité, hein. Magali Berda, Westland, tout ça, là, vous m'avez pas vu. Si vous passez par là, il y a Tissène là, qui est candidate pour la prochaine saison. Elle, les reines du shopping, je vous attends aussi. Ouais, les reines du shopping, par contre, vous avez oublié là, on a postulé, hein. Qu'est-ce que c'est ça? Encore. On a postulé, hein, le duo Murphy, là, vous êtes où? Bientôt, je vais postuler dans C'est mon choix. J'ai des poils aux jambes, je sais pas comment m'en débarrasser. Je suis sexy et alors? Tu sais, c'est tout un des sujets comme ça. C'est vrai. Je me lave pas et alors? Je suis belle et alors? C'est que des trucs comme ça, hein. Ça, c'est vrai, c'est des gens, des trucs pour énerver les gens. Ouais. Qui pourrait braquer une banque? Pas moi. Moi non plus. C'était chiant, hein. Ah ouais. Moi, je suis une peureuse. Et même voler dans un magasin, je crois que j'y arriverai pas. Oh, ouais. J'ai volé, j'avais mis ta main. Elle a volé des barrettes Hello Kitty, on est parti. C'était des bracelets. Des bracelets Hello Kitty. Allez, prochaine vidéo. Voilà. Qui pourrait se retrouver dans une bagarre? Pas toi, toi t'es une peureuse, toi. Non, pas moi. Moi je me bats pas. J'ai toujours peur de me faire défoncer la gueule. Ah, moi? Ah, par contre, si quelqu'un me tape, je le tape. Mais oui, pareil, j'allais le dire. Mais s'il y a une bagarre, je me vois pas aller au milieu ou quoi. Moi je me bats pas, je suis pas quelqu'un qui cherche à se battre. Mais par contre, s'il y a quelqu'un qui commence à me donner un coup, alors là, c'est même pas la peine. Je lui saute dessus, moi. Ouais, moi pareil. Je m'accroche à lui comme une sangsue. Ah, ouais, je me lâche si pas. Si on me touche, on me touche. Mais sinon, je rentre pas dans les bagarres et tout. En plus, je trouve ça fait crasser une fille qui se bat. Ouais, quelle horreur. Moi, c'est crasseuse qui se battent. Ouais. Et en plus, il y a des filles qui sont fières. Hein. Ah ouais, moi je me bats. Hein. C'est ouais. C'est moche, hein. Ouais, franchement, non. J'ai un garçon qui se bat, c'est moche. Mais alors, une fille, ça, des gens qui se battent comme ça, c'est des gens qui aiment bien chercher. Tu sais, les groupes de filles là qui cherchent la mère. Qui la mère. Qui te regardent. En fait, tu marches dans la rue puis tu te regardes comme ça. Ils attendent juste que tu dises qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu me regardes comme ça. En fait, ça, c'est des gens qui cherchent que la merde. Ouais, qui peuvent se sentir intéressant pour faire style. Pour faire style, ouais, moi j'ai peur de rien. J'ai peur de rien, c'est ça. Ouais, moi je suis une gangster, j'ai rien, je vais rien. Je déteste de ça. Qui pourrait ne pas se laver pendant une semaine? Moi? Toi? Quoi? Il y a le problème? Prends-moi regarder comme ça.
Mais alors, là, même pas si on me dit, toujours l'argent, ils vont dire qu'est-ce qu'elle a. On me dit, je te donne 1 million d'euros, tu te laves pas pendant 3 mois. Je me lave pas même 6 mois, 1 million d'euros. Même 1 an, je me lave pas. Fais croûte dans les cheveux et tout le long. Déjà, si ça tire, toi, alors, si tu te laves pas. Ah ouais. Arrête de bouger, tu vas être croûte tout le long, là. Déjà que t'es moche. T'as pas arrêté de dire que t'étais moche, alors je le répète après toi. Tu bouges un peu. Vous avez pu me voir bouger d'un centimètre. Qui pourrait être une grosse commère? Toi? Oui. Ah, moi, qu'est-ce que j'aime faire la commère? Pas la commère. Ouais, la commère, je m'entends. La commère avec ma soeur, ma cousine, qu'est-ce qu'on est des commères toutes les trois? Tu m'as dit, mais oui, regarder. Mais ouais, la commère, c'est toi. Hein. C'est mal tête, moi. Je sais, quand je dis commère, je dis pas critiquer, c'est qu'on aime bien. Non, c'est pas ça. On aime bien raconter sa vie, raconter la vie des gens et tout ça, tu vois. Ouais. Quand on voit un truc, par exemple, avec ma soeur et ma cousine, on dit, ouais, t'as vu, oui, faut pas faire ouais, ça. Commère, oui, c'est ça, on est des commères. Commère. On aime bien commérer. Ah, ouais. Je crois que c'est toutes les filles, ça. Toi, tu pourrais pas ne pas être une commère. Non, je peux pas. Ouais, je crois que c'est toutes les filles. C'est comme ma mère, elle a des petites jumelles et elle regarde les voisins. Ah ouais. Cet été, je travaille chez elle et tout. Et je rentre midi et deux. Elle était en train de faire à manger. J'arrive dans la cuisine, je la vois derrière son rideau. Avec ses jumelles. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, attends. La voisine là-bas, attends. Sa voisine, elle m'a regardé, elle m'a parlé. Ouais, vous savez pas laquelle elle est. Sa voisine, ouais. Avec ses petites jumelles, elle a acheté toute petite paire de jumelles comme ça. Je sais même pas si elle va loin. Et elle se met, elle en trouve un peu le rideau. Elle a pas rideau aussi dans le rideau. Non, elle se met sur le côté comme ça. Qu'est-ce que j'ai rigolé quand je l'ai vu faire ça. Ah là là là. Maman, si tu passes par là, oui, c'est de toi qu'on parle. qui pourrait foutre la honte à ses amis en public? Toi? Là, t'aimes bien foutre la honte, toi, genre. Moi, je suis pas comme ça. Non, pas foutre la honte. Non mais pas foutre la honte, genre en mode toi t'aimes bien dire ah toi tu pues toi d'être... Ouais mais juste pour rigoler c'est entre nous. Ouais. Tout le temps. Mais j'aime bien en fait, ouais c'est vrai. J'aime bien plus toi que moi. Ouais. Oh toi aussi des fois. Moi ça dépend c'est qui. J'aime bien. Même des fois, mais après on fait ça souvent pour rigoler. Mais des fois les gens ils savent pas que c'est pour rigoler. Mais nous par exemple, s'il y en a une qui pète... Si parce que par exemple s'il y en a une qui pète dans le magasin, ou ça pue un truc comme ça, je vais crier tout fort, t'as pété, un truc comme ça. Mais il y a des gens en fait, c'est un coin, c'est du cul, hein. Ouais, pété. Et en fait, on fait exprès. Ou alors, si on voit quelqu'un dans un magasin qui est un peu comme ça, on va faire exprès, tu sais, de faire des trucs pour le gêner, en fait. Juste pour que c'est des coins, ça va pas faire. La personne la moins gênée au monde, quand même, ça reste Mimi Laline. Ouais. Mon oncle, quand on est au magasin, il lâche des péquis odorants. Mais odorant, t'as jamais vu des pics là. Il regarde la personne à côté et dit Bah, non. Et t'as pas honte? Dans le magasin, il part. Je suis pas à côté de toi. Et les gens, ils regardent comme ça. Alors que c'est lui. En vrai, c'est drôle entre nous, mais ça fout la honte. Hein. Ouais, mais c'est drôle. Ouais. Enfin, bref. Bon, après, on s'en fout, on arrive pas là. Ouais. Qui pourrait vivre sans ordinateur ou sans internet ou sans téléphone? Absolument pas moi. Non, je veux, quelle horreur, ça y est, maintenant que j'ai goûté à ça, j'en veux plus, je peux plus m'en passer. Ah ouais, oh, surtout le téléphone. Quand mon téléphone il a plus de batterie 10 minutes, je suis comme ça. Ah là là. Moi, à chaque... Mais j'ai pris l'habitude, je sais pas vous, à chaque fois que je fais quelque chose... Non, à chaque fois que je fais rien, la première chose que je fais, mon téléphone est... Moi aussi, mon téléphone. Dès que je me fais chier, je prends mon téléphone et même si je suis allée sur Snap au bout de 2 minutes, j'y reviens. Des fois, je me dis, bon, allez, pendant une heure, je vais pas sur Snap. Et en fait, je me retrouve à aller sur Snap, mais c'est un réflexe. Tu cliques dessus, c'est un. Tu sais, c'est un automatisme. Moi, pas Snap, n'importe quoi, mais. Et dans les bouchons. Dans ma tête, dans les bouchons, quand je suis en voiture, dans ma tête, là, je sais que j'ai pas le droit, et dans ma tête, l'automatisme, il me dit, il est où mon téléphone? Ouais. Est-ce que je m'ennuie? Ben, je le fais pas parce qu'on n'a pas le droit. Mais dans ma tête, imaginez l'automatisme, même dans les bouchons, attendre 2 minutes, je peux pas. On est devenu incroyable. Je déjeune, il me faut mon téléphone si je... Moi par contre, en mangeant, je supporte pas être sur mon téléphone, j'ai bien mangé tranquille. Ça par contre, ça... Moi je peux pas. Il faut que j'ai l'impression que... Justement, quand je suis avec quelqu'un, qu'on est que deux, hein, que je suis avec une personne qui est sur son téléphone quand on mange, ça m'énerve. Parce que moi, j'aime pas être sur mon téléphone. Ouais, parce que toi, t'y es pas. Ouais, voilà. Alors, si j'y suis, je m'en fous, quoi. Et toi, c'est vrai que toi, même quand tu manges, t'es sur ton téléphone. Oui, oui, parce que en fait, j'ai l'impression que je m'ennuie sinon. Ouais, pas moi. On n'a pas trop de discussion. Tu dégustes en mangeant. On se voit toute la journée, tous les jours, on n'a pas trop de discussion, quoi. Pendant la table, on sait plus qu'on se racontait à force. Hein. Ouais. Mais moi, après, je mange devant la télé aussi. Oui, voilà, moi aussi. D'habitude, je mange devant la télé, mais quand j'ai pas la télé, il me faut quelque chose. Ouais. Qui pourrait se refaire tout le corps? Toi.
Moi aussi, franchement, si je pouvais, moi, si j'avais des sous, franchement, je me referais tout ce qui va. On dirait les gens de télé, bah quoi, ils ont les sous, ils font. Oui, mais après, le truc, ce que les gens ils aiment pas, c'est que quand t'en as pas besoin, franchement, je vois pas quoi ça sert de faire quelque chose. Quand t'es bien. Oui. Après, t'as toujours un petit truc que t'aimes pas. Oui, sur toi. Mais t'as tout un truc, que t'aimes pas, pas tout le corps entier quand oui, même. C'est sûr qu'il faut pas en abuser. Moi, oui, moi j'ai plein de choses que j'aime pas et je me le referais bien. Comme ah ouais. Ah si je pouvais. Ah moi aussi. Ah l'injection dans le cul et tout, je le fais. Non, bon, moi j'en ai pas besoin. Moi, si tu veux, si t'as pas assez de graisse, je t'en donne. Ouais, prenez-moi du cul, mettez-lui à elle. Ah ouais, moi je peux, j'aime. Moi, ce que t'aimes refaire. Ma bouche. Mes seins. C'est tout, parce qu'en fait les fesses je me dis avec le sport, mais comme j'ai la flemme de faire du sport, franchement si je pouvais enlever toute ma graisse des cuisses et tout, la mettre dans les fesses, je le fais moi. Moi j'aimerais bien mettre des implants au cul en vrai, des discrets. Juste pour avoir le cul rond. Ouais, juste pour avoir le cul, quand je sors, tu vois, ça fait... C'est, tu sais, ça fait pas... Ouais, parce qu'en fait ce qui est chiant c'est quand tu fais la muscu, dès que t'arrêtes, y a tout qui s'en va, donc en fait... Franchement si un jour j'ai des sous et tout, moi les implants au ça cul, fait mal j'ai fait, ça. Bah ouais, mais bon. Moi j'ai pas besoin d'implants, moi qu'est-ce que j'aimerais m'en faire. Me liposucer un petit peu les bourrelets du dos là. Me refaire un petit peu le nez parce qu'il est quand même assez long. Ah, c'est le nez. Ouais, tu as remis ça. Et là, maintenant que je vieillis, j'aimerais bien remonter. Pas faire un lifting, hein, quelle horreur. Mais enlever mes petites boules là. Attends, bon, on va retourner des faux maintenant. Si on avait rien vu. Mes petites boules. Peut-être remonter un petit peu mes yeux comme ça là. Ça, mais plus ouais, être, mais... plus tiré. Ouais, c'est des trucs, voilà quoi. Des trucs de vieillesse quoi. Mais voilà quoi, c'est pas. Mais le truc que j'aimerais plus refaire, c'est. Le bourrelet du dos. Ouais. Et moi j'aimerais bien me faire tailler avoir une belle silhouette. Hein, comme ça là. En orangina. Ouais. Genre on enlève tout ce qui va pas et on le réinjecte dans les hanches. Parce que moi en fait mes hanches elles sont. Enfin comme toutes les femmes en fait. Les hanches naturelles, vous savez, elles ont un petit creux au niveau du fessier, ça fait un petit creux et ça repart à la cuisse. Tu vois, genre c'est rare que ça fait bien rond. Oui, ben moi ça, j'aimerais bien combler ce tout petit creux là, c'est beau quand c'est bien droit. Et ça nana, ça a fait une vidéo avec un short truc, ouais. C'est un short. C'est joli ça. Qui pourrait devenir bonne sœur ou prêtre? Pas moi. Pas par rapport à la religion ou quoi. Pas, je veux dire pas par rapport à parce qu'on veut pas être dans la religion, mais par rapport à tu peux pas te marier, t'es enfermé, c'est sûr. T'as pas d'enfant, t'es obligé de faire la prière toute la journée, ça il faut aimer déjà. Mais le truc c'est tu peux pas sortir quand tu veux, tu peux pas t'activer. C'est difficile. À part faire du tricot, je sais pas ce qu'elles font. Je sais pas. Elles regardent la télé et tout? Non. Ah ouais? Non, elles regardent pas de télé, je crois. J'ai ça, téléphone, elles ont rien. Ah ouais? Non. Peut-être que les nouvelles, ça change. Non, c'est pas possible. Je les vois pas. Je les vois pas, genre sur Snapchat. Ouais, non. Coucou les copines! À moins qu'il y en ait. Peut-être, je sais pas. C'est bizarre. Dites-nous si vous connaissez des bonnes sœurs et si c'est possible. Si vous... Bah, parce qu'il y a des gens qui sont dans la religion qui parlent avec des bonnes sœurs et tout. Oui, non, mais là je parle vraiment des bonnes sœurs qui sont carrément qui vivent qui derrière l'église. Ça, là, ouais, ouais. Dans le cloître, je sais pas ce que c'est. Non, moi je pense pas. Même prêtre, hein. Ou même peu importe. Enfin, après. Il y a un prêtre qui a TikTok, hein. Ouais, c'est vrai, ouais, je ouais, sais. Ouais, les... sur TikTok. Ouais, donc après ça dépend de la génération, je pense. Ouais. Mais non, je pense pas. Qui pourrait faire des trucs chelous en public? Chelou, ça dépend quoi, non? Ouais. Moi, ça dépend en public, ouais, quand même, c'est chaud. Ça dépend quoi? Et ça dépend combien? 1 milliard d'euros, je fais tout ce que je veux. Allez, encore! Tu me dis, va en string à Auchan, je te donne 1000 euros, va en string à Auchan. Tu ne le feras pas. Non. Ouais, c'est sûr, tu imagines. Mais 10 000 euros, je le fais moi. Tu vois toutes tes copines et tout bourdel là? Ah non, mais pas dans ma ville. Ah ouais, je vais à Paris, j'y vais, hein. Ouais. Ils vont dire, oh, c'est Disney là en string. T'es là, t'es pas inconnue au bataillon, ma copine, c'est mort pour toi. Moi j'ai Hollywood qui me connaît là-bas. Qui pourrait rire au mauvais moment? Moi. C'est vrai. Moi. Toi, oui. Moi, des fois je fais des trucs, on comprend pas trop. Non, des fois en fait, quand il faut pas rigoler, toi tu rigoles. Par exemple, rire au mauvais moment, c'est par exemple. Ça dépend à quelle situation. Je pourrais pas rire dans des situations un peu graves. Quoi. Voilà, ça dépend. J'aime bien rire. Hein. Mais oui, mais après, t'es capable de lâcher un rire, toi. Bah ouais. Si quelqu'un me fait une blague, je suis capable de rire. Hein. Faut pas me. Elle veut pas que je lise, hein. Non. Qui pourrait ne pas réussir à garder un secret pendant 30 minutes? Est-ce que tu sais garder les secrets? Je suis mauvaise gardeuse de secrets. Moi aussi. Je suis obligée de lui dire à au moins une personne. Moi aussi, je peux pas garder les choses. Hey, ah, si, non, moi non, je dis ça dépend quand même. Hein. Je dis, je te dis un truc, mais tu le dis à personne. Hein, parce que j'ai dit que je le dirai à personne. Ouais, je le dis à personne.
Donia. Je te jure, c'est, je dis à personne, Donia, elle dit à Péline. Hé, hey, je te dis un truc, tu le dis à personne, hein. Tout le monde est au courant, toute la bande d'après. Non, mais ça dépend quoi aussi. Il y a des trucs que j'ai jamais dit. Des trucs que c'était entre. Mais des trucs genre en mode quelqu'un va me dire. Ah, je me suis fait refaire les lèvres, tu le dis à personne. Moi, bon, je le dis, hein. Ah, je vais voir Donia, je dis, oh, regarde, c'est fait les lèvres. Non, mais ça dépend de quel truc. Si c'est des trucs vraiment très privés, intimes et tout, ça, je le dis pas parce que ça sert à rien, les gens, ils sont tout. Ouais. Ça dépend quoi. À part si c'est grave. Mais si, je peux quand même garder des secrets, mais 30 minutes, oui, je peux garder un secret 30 minutes quand même, faut pas viser. Moi, je sais pas si je peux. Mais non, je peux le garder. Hein. Moi, je peux pas garder un secret moi toute seule. Il faut que je partage au moins avec quelqu'un, c'est obligé. Surtout si c'est un truc grave, franchement, je peux pas garder ça pour moi toute seule et me dire, il y a comment il est au courant, c'est pas possible. Mais si je le dis, il faut vraiment, si je le dis, ça sera vraiment une personne de confiance que je suis sûre qu'elle répétera. Ouais, pas quelqu'un de, au pif quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr. Qui pourrait être le meilleur menteur et la meilleure menteuse? Moi. Moi j'aime bien mentir. Moi aussi je suis une bonne menteuse. Enfin, mentir ça dépend, hein. Mentir pour des trucs cons quoi. Ouais. Des trucs sous cons. J'aime bien, en plus, moi j'aime bien faire des blagues, alors des fois j'invente des choses. Moi aussi j'invente. Genre, admettons, tu vas me dire, mais pourquoi tu rentres chez toi aujourd'hui? Non, mais c'est bon, j'ai rendez-vous de toute façon. Ah ouais? T'as rendez-vous? Mais vas-y, j'ai pris rendez-vous avec le docteur, j'ai pas rendez-vous. Tu sais, je fais tout le temps des trucs comme ça, moi, quand je suis énervée. En plus, moi, quand je suis énervée, je mens plus que quand je suis pas énervée. Quand je suis énervée, je peux te sortir des mythos. Non, mais de toute façon, je l'ai déjà fait tout à l'heure. Tu t'as fait quoi? Mais vas-y, je te l'ai fait ton truc. J'ai envie de ma mère, je savais même pas qu'il fallait le faire. Ah ouais, ça c'est vrai. Moi, quand je suis énervée, je mens plus que quand je suis pas énervée. Qui pourrait regarder des films de cul au réveil? Toi, ma mère. Tu vas te tromper, mais tu vas tout le long, ils vont loucher les gens. C'est pas grave, ils verront mieux baboter. Cigarette toi là? Ah ouais? T'as fumé? Ouais, j'ai fumé un joint. Non, je rigole. C'est toi qui m'as lavé ce pull. Je viens de le prendre dans la chambre, il est propre. Bizarre. Quelqu'un a fumé là, non? J'ai rien de la fumeur cachée. Il s'est fait une petite cigarette en cachette. Il s'est mis à la fenêtre comme ça, nostalgique. Non, mais en tout cas, tu sais, dans un film de cul, matin, midi et soir, je suis tombée sur son esprit des fois. C'est ma mère, je vous jure, le matin même. Même à 7h du matin, elle se lève, elle me réveille. Je me lève exprès, elle me réveille. Oh, ma tête. Qui pourrait avoir des phobies bizarres, toi? Moi. T'as que des phobies, toi. Alors, ouais. Toutes les jeunes de maintenant, oh, ça, c'est ma phobie, ça. Oh, phobie. Phobie de faire ça. Oh non, mais elle, c'est ma phobie. Oh, phobie de faire. Oh, mais je fais ma phobie. L'année dernière, toute la journée, elle dit ça. L'année dernière, Caisse, on s'est tapé un fou rire avec une copine à moi. J'étais en psycho. Et le prof, il parlait de la phobie. Genre, il disait, ouais. C'était vraiment parler de la maladie, de la phobie. Et en fait, j'en avais tellement marre de son cours que j'ai sorti à ma pote. Ouais, il peut parler, lui. Il peut parler. C'est lui ma phobie. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Alors, en fait, c'était un sujet sérieux. J'ai dit, vas-y, il peut parler. C'est lui ma phobie. Ah là là, bref, ça m'a fait penser à ça de parler de phobie. J'ai pas lu, je te jure. Qui pourrait. Attendez, parce que j'ai mis plein de petites. Okay. Allez, on va faire une dernière. Ok. Parce que sinon, ça va être long. Qui pourrait gagner un concours de pète? Ah, moi. Qui connaît Tyssen? Qui connaît Tyssen? Moi j'ai des pets odorants mais j'ai pas des pets gros. Hein. Donc je gagne sur l'odeur mais pas sur le bruit. Toi tu gagnes sur le bruit par contre. Tu veux que je te remette la cassette de hier soir? Quoi? Tu veux que je leur sorte les snaps? Ou tu me mets comme ça et on entend. Comme ça? Que... Ah oui, je te rappelle pas quand tu viens. Une fois elle vient dans ma chambre. Elle me met comme ça. Elle me lâche une caisse mon pauvre. Je me mets en position. Je l'ai dit, moi je gagne le concours sur l'odeur, mais elle gagne le concours sur le bruit. Mais moi je pue pas. Ah, mais la sonorité de tes pets sont énormes. Franchement, je préfère entendre que sentir. Hein. Moi je préfère sentir. Parce que regarde, imagine, t'es dans un ascenseur, vous êtes 15 personnes. Il y en a qui arrivent. Bonjour. C'était un pet haricot. C'est quoi ça, un pet haricot? C'est la chaîne haricot en slip. C'était la porte, pas moi. Oui, ah, ça. Allez, ferme la porte. Va péter en vrai.
pété dans ton lit. Bref, pas de idée. C'est comme Chaline, je suis sur le soir, il pète, il fait la pointe comme. J'aime. C'est sûr ça. Moi aussi, je le fais. Quelle horreur. Non, mais regardez ma métaphore. Imaginez, vous êtes dans un ascenseur, il y a 15 personnes. Tu préfères faire un P silencieux et t'as des doutes. Genre, la personne, elle va jamais se dire, ah, obligé, c'est lui. Elle va se dire, c'est lui ou c'est lui. Tu vois, alors si tu fais un si bruit, on entend c'est... le bruit d'où il vient, donc tu tombes vers la personne. Et si vous êtes que deux? Si vous êtes que deux? Aucun milieu, aucun paix alors. Toi, tu vas me regarder comme ça, lui. Tu... Attends, moi, je suis sûre, c'est si un jour je pète et que je sais que c'est moi, je te jure, je regarde la personne. Je regarde comme ça. Je vais dire, mais ça va, tu te lâches, toi, alors tu sais que c'est moi. Capable. Tu te lâches, hein. Bref. Bon, allez. Bon, on va se laisser là. Ouais, on va aller. Fait faim et on va aller j'ai un petit mal de tête à cause des vidéos. On a le temps de monter la story time. Ouais. Et puis on se retrouve. Donnez-nous des vidéos là avec des FAQ ou des trucs comme ça ou des ce que vous voulez. Ouais. Je te jure, Tiziane, c'est quand je monte la vidéo, c'est trop. Je te jure, je te mets, tu sais, carrément, je te mets. Mais je floute! Je ne peux pas rester comme ça! Je te floute! Je suis obligée de me dandiner! Même la nuit, t'as pas remarqué, j'ai un verre au cul, moi, je fais que bouger! Quoi, je pue? Tu sens les oignons ou pas? Ouais, tu te secoues, ça va? Je sens encore les oignons? Les oignons frits, hein? Ça fait une semaine, je sens les oignons! Je crois que quand je mange des oignons, je pue l'oignon, c'est normal? Non. C'est que quand je mange des oignons. Quand tu manges la crevette, tu sais la crevette? Ouais, du minou. Bah, bon allez, on fait des gros bisous et puis on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà. Bye bye. Bye bye, j'ai failli. Bah, j'ai touché mes pieds tout le long.